Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de Fallout 4 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés en faisant le tour de Diamond City et avant d'entrer dans la zone de détective de Nick Valentine. J'ai pas le temps de discuter, une autre fois. Ok, et nous allons tout de suite continuer la quête principale. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Oui. Baby, tu es là ? Nick ? Nick quasi sans tête ? Ah non. Oh mon dieu, c'est vous ? Ouais, avec une tronche pareille, on peut pas se tromper. Ça me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sou... Oups, pardon. Est-ce que j'aurais fait bugger le jeu ? Ellie ! Merci d'avoir ramené Nick. Pas de quoi. C'était un plaisir. Aller ramper dans des ruines d'avant-guerre qui donnent froid. Je sais pas comment vous l'avez retrouvé, mais tenez, j'ai puisé dans notre réserve. Uh-huh. Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait... Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler. Uh-huh. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Ok. Je retire mon armure. Et oui, j'ai changé de coupe des cheveux. Un peu le tour avant. Je vais un peu rapidement là quand même. Oh, pas grave. L'affaire Marty Bullfinch. Marty était le partenaire de Nick. Et je dis bien était. Il devait être vraiment désespéré. Ok. Espéré pour venir nous demander notre aide après tout ce temps. L'affaire Earl Sterling. D'après le dossier. Bingo. Disparu du jour au lendemain sans laisser de trace. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers d'investigation ou pas? Il n'y a pas l'air. Donc la disparition, je la ferai hors vidéo, bien sûr. Et aussi écouter le le bande de Marty, je vais l'écouter plus tard. Hors vidéo également. Donc allons sur notre chaise. On essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous... Il y avait un homme et une femme. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous pouvez m'en dire plus ? Mon mari a été tué. Il a essayé de les empêcher d'emmener Sean et... Ils l'ont... Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous vous souvenez d'autre chose? On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous vous souvenez d'autre chose ? On est à la recherche de mon fils, Sean. Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Ça confirme mes craintes. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards... Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossibles à distinguer les humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'eau. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin... Je suis qu'un prototype mis au rebut. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs ? La femme portait une espèce de combinaison étanche. L'homme... Il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être. Beaucoup de porte-flingues en ont.
Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Bien. Intéressant, la combinaison. Vous vous souvenez d'autre chose ? J'oublierai jamais cette voix. Grave. C'est léger, mais... une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde. Quoi d'autre ? L'homme qui a tué mon mari. Un revolver de gros calibre, peut-être. Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur. Autre chose d'utile ? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve, avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Qui est-ce ? Vous pensez que c'est lui qui... Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. La maison des gradins ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait... C'est Sean. C'est forcément... Ne vous emballez pas trop. Je croyais que vous cherchiez un bébé. Ça pourrait être son propre fils. Ou le gamin de quelqu'un d'autre. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. Okay. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais... Je le suis toujours. Certes, il y a peut-être une bonne différence, mais il faut pas oublier que... c'est de la cryogénisation et on ne sait pas quand on est sorti. Par rapport à l'endroit où il a été enlevé. Allez, allons-y. Je voulais pas en parler devant Ellie, mais il faut que je vous dise une chose. Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition sent mauvais. Très mauvais. Pas c'est plus qu'un simple mercenaire. C'est un professionnel. Il est rapide, efficace, et ne laisse jamais rien au hasard. Il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts. Sauf vous. Je vous parie à 10 contre 1 que c'est notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs, et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg tout craché. Mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard. Je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil. Donc ce serait Kellogg. Ça paraît logique. Tour du propriétaire, Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. C'est petit, non ? Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand. C'est un peu trop petit, hein, Hongo, oui. Rien d'intéressant ici. Vous avez fouillé le bureau ? Je suis en train d'y fouiller. Ah. Ça alors, dans le genre compartiment secret, c'est du lourd. Yuka Kolokuntum. Regardez-moi ça. Tout l'attirail du parfait petit mercenaire. De la Gwyneth Stout ? Des munitions calibre 44 et des cigares. San Francisco Sunlight. Elle est pas mal, cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Je me demande si Canigou... Hey, pas bête. Certains chiens du com... Si vous alliez le chercher pour lui faire redire... Juste une chose. Je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même... Vous avez un bon... Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fille, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout. J'ai besoin de votre aide. Perçu. On va le retrouver, cet enfoiré. Ah, d'accord. Hey ! Dites-moi tout. Non, je vais... Oh, Valentine ! De quoi vous avez besoin ?
Je crois qu'il est temps que nos chemins... Pas de problème. Ça va, on continue ? J'ai pas besoin de manger ou de dormir, moi. Alors, on va aller chercher Canigo à Sanctuary Hills. Ah bah non, il est là, d'accord. Ça fait du bien d'être de retour à Diamond City. Canigo, vas-y, sens-moi ça. T'as une piste, mon grand ? Ah, je te suis. Est-ce qu'il y a une quête de nouvelles ? Oui. Vas-y, Canigo, je te suis. Bon, il va pas aller très très loin, à mon avis. Tu en es sûr, chérie ? Je ne suis pas une fille normale. Tu es parfaite, monsieur. Allez, Canigo, montre-moi où est la voie. J'espère que le son du micro est bon. Là, je suis actuellement en 7 points avec mon casque, donc je ne sais pas si vous dire si le son est très fort ou pas. C'est un son différent qu'en stéréo ou en 5 points. Donc bon. D'ailleurs, tous les casques stéréo peuvent faire 7 points. Hein. Je vais chercher un peu. Sur le logiciel Razer Surround, par exemple, il est gratuit, il permet de faire du 7 points. Que demander de plus ? Donc n'hésitez pas à me dire dans les... si le son est bon. Alors, prends son temps. Il y a vraiment pas beaucoup de quêtes principales dans ce Fallout, à ce que j'ai vu. Vas-y, Kenny. Je te suis, mon petit. Oh, je vais plus vite que toi. Allez, Kenny. Kenny Glou. Tu as perdu la piste, mon grand ? San Francisco Sunlights, la marque préférée de Kellogg. Ok, mon grand. Suivons sa trace. Allez, suivons-le. Désolé si vous entendez ce qu'il y a derrière. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui parle ? Qu'est-ce qui sont chiantes ? Râteau pour un GI. Et ben, il faut. Bon. Voilà. Vas-y, Kenny. Ah, aurais-tu trouvé quelque chose ? Woo!
Des bandages couverts de sang. Canigou devrait pouvoir suivre cette piste. Alors, mon grand, on va pouvoir continuer ? Ouais, vas-y, Canigou. Eh ben, ils sont allés loin. Aucun dégât tellement de résistance. Ok. Quand même. Ah, voilà. De la Gwyneth Stout, un de ses petits plaisirs. J'ai besoin de ton flair pour retrouver Kellogg, mon grand. Ok, mon grand. Suivons sa trace. Bon, c'est une quête de... à suivre. Faut juste suivre la... le canigle. Enfin, le canigle. Pas grand chose d'intéressant, malheureusement. Moi, je peux plus courir. Ah, c'est bon. Que je tombe sur des irradiés, ce serait vraiment dommage. Plus grande prude. Qu'est-ce qu'on a là? Erreur. Système corrompu. Je ne sens plus mes jambes. Mmh. C'était Kellogg, c'est sûr. Signature confirmée. Vas-y. Qu'est-ce que c'est quand il dit? Ah, oh, molosse, chier. C'est l'heure de mourir. Putain, je dois avoir tellement de munitions sur cette arme. Donc ça reste à 999 comme ça. Comme c'est une arme à munitions illimité. Enfin, à charge, ouais. Capacité limitée plutôt. Vas-y, Kali. J'ai cru qu'il y avait bugué.
pas être très long encore là. On aura pas tardé à le trouver. Alors mon grand, c'était notre homme ? Où est-ce qu'il est ? Allez, vas-y. Je ne t'attends. Enfin, je ne fais que t'attendre, mon cher. Bon, j'ai vite. Ah, il serait ici. Qu'as-tu trouvé, Cani? On y est? Canigou, il est là? Ah, Foragun, ah d'accord. Il était donc là-dedans. J'en peut-être pas par la bonne entrée, mais en tout cas, j'y rentre. Ouais, j'avais déjà visité Foragun, mais je pensais pas que c'était un endroit là qui est le principal. On va essayer de se la faire furtif parce que j'ai 2,6 dégâts pour en plus en mode furtif, donc ça c'est assez bien. En plus j'ai un silencieux, donc où t'es qui? Boré. Ah, des synthétiques. J'ai réussi à vous détecter. Ça vaut plus que le nom d'un autre synthétique confirmé. Allez, discrètement. De la directive Sigma Omicron, protéger Kellogg. Donc Kellogg est bien ici. C'est bloqué de l'autre côté. Oh, flûte. De toute façon, ils m'ont vu, donc là ça sert à rien de se cacher. Actif Kellogg en danger. Activation du protocole de défense. Le promoteur de bras endommagé. Comme sans bras, ils vont taper, mec. Les armes les plus puissantes du jeu, qui est le pistolet alien. Alors, où est Kellogg? Donc c'est bien l'institut. On va se recharger un peu. Ah oui, non, mais il est derrière la porte, c'est vrai.
pour y aller, il faudrait que je trouve un moyen de descendre. Comment je peux faire? Non, je vais essayer de voir si je peux quand même y aller. Hein. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ah, il est encore en bas. Ouais. C'est chaud, comment je peux faire pour y aller? On va ranger son arme. Allons voir tout en haut. Ouais, là si je tombe c'est que d'un étage. Je ne sais point où aller. C'est pas cet étage. Sûrement l'étage d'en dessous, mais... Je croyais avoir ouvert cette porte déjà. Après, ils ont fait sûrement exprès de la refermer. Pour cette quête, quoi. Ça prend vraiment un peu de temps, désolé pour ça. D'être encore en dessous, mais bon. Ouais, non, y a rien d'autre en fait. Regardons sur la carte. Hein. Ouais, bah, d'accord. Et... Est-ce que ça peut être... Peut-être un ascenseur ou un truc comme ça, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Et peut-être juste que je ne suis pas rentré par la bonne entrée. Ça aussi c'est entièrement possible. Ah bah non, c'était bien un ascenseur. Désolé pour le temps que j'ai pris à trouver là. On va finir cette quête puis on arrêtera cette vidéo ici. Hein. C'est bien ce qu'on nous pensions, c'est bien Kellogg's. Après une sieste de 200 ans, vous avez dû avoir un choc en voyant l'état de la maison. Mais on n'a pas de place pour vous ici. N'attendez pas à vous voir frapper à ma porte. Je vous donnais une chance sur deux d'arriver à Diamond City. Pour le reste, je pensais que le Commonwealth allait vous bouffer. Oh.
c'est ça. Tout à fait. Ok, vous êtes en colère. Je peux comprendre. Mais ce que vous essayez de faire là, ça ne marchera pas. Alors, donc, concrète... Le N était en commun. What? Je peux pas activer la porte, il y a un bug. J'ai bien couillé. Intéressant derrière cette porte, donc je vois pas pourquoi j'essaierai de la franchir. Ah bah non, là c'est ballot par contre. Ce serait vraiment chiant si... Ah bah j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Oui, c'est les toilettes quoi ici. Chose à faire. J'attaque la cible ennemie. Je vous préviens de ne pas me laisser. Un réacteur, nice. Toujours garder l'arme silencieuse pour avancer. Ah, je commence à entamer mes munitions. Pas trop tôt. Bon, maintenant, est-ce que tu vas marcher, toi, terminal? Oh non. Bon, on va attendre le temps que ça fonctionne. Cette porte, hein, on sait jamais ce qu'il y a derrière. Joli. Premier soin. Plein d'argent, ouais. Hey. Comment ça va, mon vieux? Rentre à la maison. Allez, je t'envoie son curry. Comme ça. J'ai mieux pour porter plus de poids, etc. Mais franchement, comment je peux passer là? S'il me laisse pas ouvrir les portes. Ah là 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 là. Me dites pas qu'il faut que je relance le jeu quand même. On va faire quelque chose. On va sauvegarder. Puis on va charger. Si jamais ça marche pas. Je le ferai dans la prochaine vidéo, on s'arrêtera là. Hein. Je sais qu'il y a un texte qui vient d'apparaître. Bonjour chérie. Je suis désolé que ça se termine ainsi. Rien. Oh là là, quel dommage. Forcément, il y avoir quelque chose. Et je crois que c'est ça, c'est cette commande-là, mais.
ça a bugué, malheureusement. Si je suis bloqué là, ça va être vraiment difficile à continuer le let's play. Quoi? Je suis vraiment imbécile à ce point là. Oui, c'est ça. Je suis vraiment imbécile à ce point là. J'avais pas vu qu'il y avait ici. Peut-être par là que je devais passer. Ah bah oui, c'est bien ça. Eh ben non. J'ai quand même bien fait de voir cet endroit. C'est déjà bien. Mouvement détecté. Curieux. Capteur principal dans un état critique. Qu'est-ce qu'il attaque ? Oh, les vannes ici, non. Coca-Cola. Un mot de passe de je sais plus quoi. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas dans quoi vous avez mis vos pieds. Pour le silence. Faire marche arrière, vous savez. C'est pas trop tard. Vous avez encore le choix. Tout le monde n'a pas cette chance. Non, je ne retournerai pas en arrière. Bon, cette vidéo sera vraiment longue. Hein. Ça va me prendre beaucoup de temps à l'upload. Je n'ai pas une connexion digne d'un dieu. Je n'ai pas du 1 giga, ce serait trop bien. Une connexion de 1 giga, my god. Joli. Qu'est-ce que j'aimerais? Alors, quand je prendrai un nouveau logement, il faudra au moins qu'il y ait du 300 mégas. Hein. On fout du Fatman, j'en ai déjà un. Ça qui est en commun. Non, pas Sins non plus. J'essaie de voir ce qui pourrait, ce qui est en commun en fait. Je crois que c'est ça. Non, y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a en commun avec ces... Non plus. Ah. Et voilà. Allons-y petit à petit, tout en voyageant, tout en cherchant autour. Sauvegardons devant la porte. Oula. Parfois il y a des baisses de FPS, hein, je suis vraiment désolé pour ça. Ça arrive inopinément comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. Pourquoi il dit affronter? Ça sent le fight. Alors la voilà, la femme la plus difficile à abattre du Commonwealth.
La route a été longue. Ça suffit. Dites-moi. Je ne suis qu'une marionnette très chère, comme vous. Sean est un brave petit. Enfin, un peu moins petit que dans vos souvenirs, peut-être. Il ira loin. Alors vous allez me conduire à lui. Et tout de suite. Vous conduire à lui? Comme si je pouvais faire ça. Sean est en sécurité dans sa nouvelle famille, à l'Institut. L'Institut. Où qu'il soit, je le retrouverai. Bon sang. Vous lâchez jamais l'affaire. C'est beau. Vous êtes une bonne mère de famille. Je ferai sûrement pareil. Mais assez parlé. On sait tous les deux comment ça va finir. Alors, on passe aux choses sérieuses? Quand vous voulez, Kellogg. Mes capteurs détectent de présence d'ennemis. Alors il est où lui? Kellogg, mon chou. Vous vous débrouillez mieux que prévu. Kellogg, tu sais quoi? Tu m'as embêté. J'ai de la peine. On va se recharger un peu. Ah, j'ai monté d'un niveau? Ah oui. J'avais pas vu. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Une patte de dépendance à la colle. Ouais. Pistolet de Kellogg fait pas très mal, mais bon, prenons-le. Tous ces implants. Il était à peine humain. Mais moi je prends ta tenue, je suis comme ça. Ah, joli. Oh, nice comme, comme écran. Bien, nous allons sortir de cette zone, puis nous allons arrêter. Hein. Ça fera quand même une longue vidéo. Par là-bas ou de l'autre côté? De l'autre côté. Ah oui, c'est ici, d'accord. On était juste en face de lui. Montez. Non, je sais pas si je vais m'arrêter là ou si je vais aller valider la quête à Nick. Je pense que je vais aller valider la quête à Nick, puis on s'arrêtera là. Bon, ça prend juste une à deux minutes de plus, ce n'est rien. Et c'est pas. Alors, quel homme je peux reprendre et utiliser là? Petit fusil à clous, pas d'idée d'un. Accès au toit. Ah. Alors, carte. Comment ça, déplacement inaccessible à partir de cet endroit? Je vais sauter alors. Voilà. Habitants du Commonwealth. Est-ce que je peux. Non, plutôt, je vais directement me déplacer à Nick Valentine's. Oulala, la musique.
toujours aussi longs ces temps de chargement, ça fait plaisir. Vous voyez ce grand dirigeable? C'est quoi la confrérie de la cible? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alors, là-bas. What? Confrérie de l'ombre. L'ombre de la confrérie. Ouais, je la ferai en vidéo aussi. Faites vos courses en toute sécurité. Les synthétiques sont interdits au circuit. Je sais qu'il y a certaines quêtes. La suite de la quête principale, mais je pense qu'on fera juste la quête principale. Ça ferait un sacré papier, non? C'est ma cliente, Piper. Tu peux pas t'empêcher de fourrer ton nez dans les affaires des autres. Tiens, quand on parle du loup. Vous revoilà. Et sans. Vous aviez raison, Nick. L'Institut? Oula. Je suis vraiment désolé. Ça rend les. C'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être un synthétique. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles. Il faut que je trouve un moyen. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici... C'est où se trouve l'Institut. Ou comment y accéder. C'est ça. Mais il y a bien... Kellogg. De toute façon, ça ne fait aucune différence. Vu qu'il est mort. Ouais. Le seul type de l'Institut qui vivait à l'extérieur. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une... Il n'aurait rien dit de toute façon. Même si on avait réussi à le ramener vivant. Se fait éclater la cervelle. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Nick? T'as le joint de culasse... Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur. J'espère que vous ne... Voyons, j'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de... Non mais Nick, t'es pas sérieux? Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. En fait, je crois... Un implant cybernétique? On a... Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations. Vous pouvez m'en dire plus sur... C'est à Godneighbor. C'est pas par... Beaucoup de gens donnent tout ce qu'ils... Mais nous, c'est dans les souvenirs d'un autre qu'on veut plonger. Soit on y va ensemble. J'emmène Piper. Je vais y aller avec Piper. Entendu. Faites attention à... Vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Ok. Donc, ce que je ferai entre cette vidéo et la précédente, ce seront... La quête là, l'ombre dans la confrérie, la disparition... La raison du plus fort, mais ça c'est autre chose, celle-ci, et c'est ça en annexe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Step, prochain tutoriel HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.